Là, on cherche pour monter le mont RFM. On est rendu dans quelle ville, East RFM? Fait que là, on a entendu parler de ça. Fait que là, on sait pas si ça monte en grosse trail. Fait qu'on va essayer de trouver l'accès. On va essayer de monter jusqu'en haut. C'est ça le chemin qui mène au pied de la montagne. Gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Let out the, let out the. Wake up, get out the sheets. We came for war, man, forget my peace. You take the west, I'll take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. Let out the. OK, on monte en haut. Finalement, c'est un beau petit chemin bien entretenu puis accessible aux voitures. Pas d'inquiétude pour les grosses aventures comme la mienne. Ça pourrait faire une belle petite boucle complémentaire avec la Trans-Québec Trail que Marc Chartrand et plusieurs bénévoles ont travaillé à nous construire pour nous autres, les aventuristes.
copier votre chanteur. Tabarnak, de ça que je trompe. On va le reculer. J'ai eu toute la misère du monde à débarquer. C'était vraiment une belle petite route. C'est le fun à monter. Mais il faut être prudent parce qu'il y a des sentiers de marche, puis il y a peut-être du monde qui vont traverser. Puis en gros, les petites courbes, puis des petites buttes assez surprenantes. Fait que pour pas frapper un chevreuil ou bien un piéton. Yes. Quoi ça? On dirait que c'est les, ce qu'on voit à Sherbrooke qui est à une distance de 42,1 km. Si je regarde bien la map, la TQT passe tout près de cette montagne-là. Allonge les lignes américaines, puis la montagne, ben, pas loin des lignes américaines. Je vous laisse les coordonnées exactes. Il y a des stations de service à Compton, environ à 30 km de là. Puis à 40 km à Ayers Cliff, il y a des stations de service aussi, puis quelques hébergements. Pour s'y rendre, ben, il y a des super beaux chemins de gravel. Quand vous irez, ben, écrivez-moi et donnez-moi vos impressions. Pis si tu n'y vas pas tout seul, arrange-toi pour être le premier si tu veux pas manger de la poussière. Bon ben, après cette belle petite aventure de découverte, on retourne à la maison. Puis merci énormément à Marc Chartrand puis toute la gang de bénévoles de nous avoir construit une super belle route. Moi puis mon chum Danny, on a juste hâte d'aller la rouler. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut gang!